Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans laquelle je vous partage en toute transparence mon expérience de vie, mes transformations aussi. Et j'aimerais déjà vous partager comment je me sens dans cette aventure en Guadeloupe. Moi, ça fait 3 mois et demi que je suis là. Le temps passe vite, c'est vrai. Ça a été une joie immense pour moi de venir ici parce qu'à l'instant où je suis arrivée en Guadeloupe, je me sentais chez moi. Je me sens toujours chez moi dans les îles, dans mon environnement. Et ça fait vraiment du bien. J'aime la nature. Je me découvre aussi des aspects de moi aimant la nature et ça me fait du bien. Seulement voici mes amis, chasse le naturel, il revient au galop. Ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons. Ce que nous vibrons, c'est ce que nous vivons. En arrivant ici, je me suis dit, tiens, après un long... J'ai quitté mon pays, j'ai quitté Madagascar, j'étais jeune. Et j'ai quitté mon pays parce que j'avais besoin d'être loin de mon cocon familial dans lequel j'étais en souffrance, dans lequel je ne me sentais pas libre d'être moi, d'être aimée pour ce que je suis vraiment. Je suis arrivée en France, c'était super. J'ai entamé un long travail sur moi, dans lequel je n'aspirais qu'à une seule chose, c'est d'être libre, d'être qui je suis vraiment, de m'aimer vraiment et de retrouver la paix dans mon cœur. Et mon retour ici dans... Alors certes, je ne suis pas retournée à Madagascar parce que le contexte de vie ne me convient pas. Donc j'ai choisi une île. Je me suis dit la Guadeloupe, c'est super. Je suis déjà venue en vacances ici plusieurs fois. Et je me suis dit, tiens là, je retourne chez moi. Je retourne dans les îles. J'arrive ici, je me sens comme chez moi. Tout me convient, le décor me convient, j'en suis véritablement heureuse. Et puis, je suis accueillie, c'est génialissime. Et voilà, bon, tout ça c'est merveilleux, tout ça c'est super. Sauf que très vite, qu'est-ce qui va se passer? C'est digne d'un film, mes amis. Sauf que quand j'arrive, eh ben, je sens véritablement que toutes mes mémoires, mes blessures sont réactivées à l'intérieur de moi sans que je puisse en avoir le contrôle. Et ça va être compliqué. Vous voyez, je vais passer un passage assez difficile qui va me confronter aux personnes qui m'entourent aussi et dans lequel je vois bien que c'est comme si tout mon passé se rejouait. Tout était réactivé tout d'un coup. Je suis confrontée à des situations où ça me demande de me positionner. Alors là, je ne comprends pas, parce que pour moi, je suis venue ici, c'est la cerise sur le gâteau, après tout ce chemin. Et je me dis, ouais, super, je vais savourer. Et puis là, je ne vais pas comprendre ce qui va m'arriver, mais en fait, ça va être beaucoup plus clair pour moi. Je me suis mis beaucoup à écrire, à méditer pour comprendre de qu'est-ce qui m'arrive, parce que effectivement, je vois qu'au point de vue relationnel, je fais de très belles rencontres. Alors ça se passe très très bien avec les hommes que je rencontre, dans lesquels je développe une amitié, des relations magnifiques. Et ça se passe très très bien avec les hommes. Mais alors les femmes, c'est la cata. C'est la cata pour moi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je suis confrontée à des situations mais relationnelles, mais terribles. Donc ça va beaucoup m'attrister, véritablement, parce que c'est pas ce que je désire dans ce voyage ici, pourtant c'est à quoi je suis confrontée. Et puis quand je me pose dans mes écritures, hein, dans mon journal intime, je comprends très vite que, en fait, c'est comme si j'ai fait tout un chemin pour être libre d'être moi, et je reviens dans les îles pour poser mon empreinte aujourd'hui. Je reviens dans les îles pour être moi aujourd'hui. Et en réalité, l'aboutissement de ce long chemin que j'ai mis, chemin de transformation que j'ai mis en place, et ben c'est ici qu'il se vit. Et là, je comprends qu'effectivement, le sentiment de libération n'est pas tout simplement dans un sentiment d'être ou dans une conscience d'être libre. C'est quelque chose qui se vit dans la matière quand on est capable de revenir sur nos pas et que dans ce contexte passé, nous sommes capables d'être qui nous sommes vraiment. Autrement dit, je comprends bien que l'aboutissement pour vérifier si vous êtes passé à quelque chose par rapport à vos blessures, eh ben le chemin le plus simple, c'est soit de retourner chez maman et papa dans ce contexte et vous y restez, puis vous voyez ce qui se passe, soit vous retournez sur les lieux que vous avez pu fuir, parce qu'à ce moment-là, quand vous arrivez
à mettre votre nouvelle empreinte, quand vous arrivez à prendre votre place, quand vous arrivez à poser qui vous êtes vraiment, là, vous êtes en train de signer, vous êtes en train de mettre votre empreinte sur une réelle transformation qui s'est passée. Donc, là, je vous parle de ça en ayant conscience, mais quand j'étais dans... Je pense que j'ai été pris sous la vague parce que je n'ai pas compris. Moi, j'étais venue ici pour savourer le résultat de tout un travail. Ben, en fait, le résultat de tout un travail, le point final, il est là, dans la manière dont je vais me positionner. Donc, du coup, j'ai naturellement... ben voilà, effectivement, les relations avec les femmes, ça n'a pas fonctionné parce que chacune d'elles, à leur façon, en représentait ben, ma mère. Voilà, chacune d'elles dans leur facette, j'ai été confrontée à des aspects que ma mère a et que j'ai dû aujourd'hui me positionner dans l'adulte que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique. À travers ce que je suis, dans l'énergie que je suis, dans les limites que j'ai eu besoin de poser. Donc, c'est pour moi, au-delà d'un travail sur la relation que j'ai à ma mère, l'aboutissement, elle est là, elle est ici. Et ça a été remuant, hein. C'est facile pour moi de vous dire ça, mais ça a été remuant pour moi parce que j'ai vécu vraiment un sentiment d'injustice profond parce que les personnes qui sont là, c'est des personnes que j'ai aimées, qui ont fait partie de ce contexte, mais c'est des personnes, voilà, qui... J'ai vécu des déceptions, du coup, j'ai été confrontée à des situations difficiles. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont remontés, l'autorité punitive, donc il a fallu me positionner par rapport à ça. La manipulation, waouh, c'est en plus la manipulation à travers un visage de gentillesse. Il a fallu aussi que je puisse me positionner sans culpabilité, parce que c'est très culpabilisant quand la manipulation se fait de cette façon-là. Il y a aussi l'égoïsme, la jalousie. Donc il y a eu plein de choses dans lesquelles je me suis dit, mais quand je recoupe tout ça, je me suis dit, ben voilà. En fait, ça m'a invité à me positionner à travers qui je suis. Ça m'a invité ne pas à me défendre ou à faire ou à agir contre, mais à apprendre à me positionner par amour pour moi. Et dans un contexte de vie que j'ai fui en fait, mais du coup là, ça y est, j'y suis dans les îles et c'est à moi de réhabiliter absolument ce que je suis dans ce contexte-là, dans ce décor-là. Et waouh, ça c'est magnifique, mais je peux le dire que maintenant, je suis encore fatiguée et éprouvée de ce que j'ai pu vivre parce que c'est du coup une série d'événements, une série de relations confrontantes, une série de déceptions aussi, et dans lequel à chaque instant qui soit, ça m'a invitée à me choisir et à m'aimer vraiment. Mais au tout départ, quand on est dedans, mais c'est un vaste sentiment d'injustice parce que je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je ne comprends pas, je suis prise pour ce que je ne suis pas, je suis mal jugée. Et puis c'est important aussi de prendre du recul par rapport à l'histoire qu'on se raconte et l'histoire émotionnelle pour aller prendre de la hauteur et grâce à la lecture 5D j'observe et je me dis mais pourquoi je traverse cette situation, pourquoi toutes ces situations elles sont utiles quelque part, mais pourquoi? Pourquoi, si je suis créatrice suprême de ma réalité, pourquoi j'ai créé cette réalité de merde en venant ici, alors que moi, j'ai envie véritablement de savourer, d'être dans le plaisir de vivre ce qui se passe ici, en fait. Ben, en fait, c'est tout simplement que je reviens sur mes pas du passé, je reviens dans mes empreintes passées. Toutes mes empreintes et mes ancrages ont été réactivés. Et c'était vraiment l'opportunité pour moi de dire... Ok, c'est une nouvelle histoire qui s'installe là, c'est mon empreinte que je dépose, sans lutter, sans la force, mais dans une intensité d'amour de soi, bien sûr. Ça a été challengeant pour moi, parce que par rapport à certaines personnes, ça m'a demandé d'être très ferme, très 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 ferme, mais parce qu'il y a un moment donné, c'est important en tout cas pour moi de refuser l'absence de considération vis-à-vis de ma personne, de refuser le fait qu'on s'autorise à renverser des situations, à utiliser ma personne à des fins, et en fait, à des fins qui ne me conviennent pas. Donc en fait, ça, c'est vraiment incroyable parce qu'en un laps de temps très très court, j'ai été confrontée à toutes les mémoires
à toutes les mémoires de mon enfance et de me repositionner dans l'adulte que je suis aujourd'hui, vraiment dans un amour fort pour moi. Ça demande aussi de me détacher du regard des autres, de ce que les autres vont penser de moi, quand je vais réagir de cette façon-là. Mais c'est toujours de mon passé qu'on parle, hein, de la manière dont je suis intégrée dans la famille. Donc, c'était important pour moi de dire et de poser le fait de dire « Ok, je sais que je suis une belle personne, je sais que j'agis par amour pour moi, je sais que mes intentions sont nobles et bienveillantes, et voilà. » Et peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce qu'il y a, chacun est libre de voir qui je suis, chacun est libre de vouloir m'aimer ou pas, chacun est libre de vouloir être en lien avec moi ou pas. Si c'est le cas, mon cœur est grand ouvert, mais si ce n'est pas le cas, et ben moi aussi dans mon monde à moi, je décide que je ne veux pas être en lien avec des personnes qui sont dans la malveillance, soit dans un positionnement qui ne soit pas écologique pour moi. Et voilà, et la différence, c'est que c'est vraiment quelque chose à laquelle j'ai dû veiller, c'est de ne pas être en réaction pour me dire « ouais, j'ai besoin de me défendre en réaction », mais plutôt dire « ok, je vais me positionner par amour pour moi, dans fermement ». Et par amour pour moi. L'énergie n'est pas la même du tout. Le refus qu'on me traite d'une manière ou d'une autre, par amour pour moi. Et de positionner ça par amour pour moi. Et cette énergie-là, c'était important que je la pose. Donc, mes amis, tout ça pour vous dire qu'actuellement, je pense avoir fait le gros ménage. Je crois avoir fait un grand réajustement. Je suis très fière de moi. Ça a été très remuant. Je suis encore là dans une phase de récupération, bien sûr. J'ai le sentiment de dire, bon ben voilà, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, ça veut dire je me sens vraiment... Je crois qu'il me reste deux personnes ici. Et c'est deux amis hommes, voilà, qui sont proches de moi, qui sont là dans toute bienveillance. Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour moi. Et j'accepte cette expérience. Pourquoi pas de réouvrir peut-être... les choses différemment, dans une énergie nouvelle, dans ce que je suis. Ça y est, je me sens dans mon énergie, dans ma vibration, et libre à ceux qui sont autour de moi de ressentir, de voir, d'être prêt ou pas, d'être dans cette énergie-là. Chacun est libre, vous voyez, chacun est libre d'être en relation avec moi ou pas. Donc c'est un nouveau départ pour moi, j'en suis vraiment heureuse et je suis fière de moi. Voilà mes amis, pour un petit partage. Prenez bien soin de vous et surtout posez les choses par amour pour vous. Je vous le souhaite. À bientôt.